c'était un grand lancement pour vous, le lancement d'une autre saison ici pour Cavalor. Oui, exactement. La saison 2014 qui s'appelle l'été des quatre saisons. Alors, on est en compagnie là, des acteurs principaux. Voilà, je vous présente mes frisons. Ce sont mes 6 frisons qui vont être utilisés justement lors d'un numéro de Cavalor cet été. Et ça fait combien d'années que vous faites le spectacle ici à Saint-Germain? Depuis 2009. Nous sommes donc à notre 6e année. On parlait, François et moi, aujourd'hui, qu'on vient de tomber dans l'adolescence. Fini l'enfance pour nous. On a des changements qui s'opèrent et on est en pleine croissance. Et il y a plusieurs collaborateurs qui participent à ce spectacle. Oui, en fait, on a des collaborateurs financiers, évidemment. On remercie M. Laurent Lemaire et Cascade d'être là depuis les tout débuts. Nous avons aussi la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Tam qui nous appuie grandement aussi. Beaucoup, beaucoup de gens d'affaires de la région limitrophe, donc Drummondville, Saint-Germain, évidemment. Alors, grâce à eux, Cavalor est possible. Vous avez un metteur en scène d'expérience, donc pour la 2e année, qui vient faire ici le spectacle. Oui, on était avec Jacques Crête l'an passé et on a vraiment eu une expérience extraordinaire avec Jacques Crête. On lui a demandé de revenir avec nous parce que vraiment, il a su aller chercher une saveur qu'on n'avait pas avant. Depuis justement l'an passé, on parle maintenant de théâtre équestre. On fait vraiment un mariage entre le côté théâtral et le côté équestre. Alors c'est ce qui va nous distinguer encore cette fois, cette année, l'amalgame entre les figurants et les numéros équestres. Cavalor propose un spectacle où se produisent des cavaliers amateurs, encadrés de professionnels du monde équestre, de la scène, et ce depuis 2009. En cette 6e édition, Cavalor vous accueille désormais avec une salle de spectacle assurant un meilleur confort, équipée de sièges de type strapontin et d'une ventilation améliorée. Cavalor s'est démarqué en se méritant une reconnaissance importante, soit le prix de l'entreprise émergente Rayonnement touristique lors du gala du prix Napoléon organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Drummondville en novembre 2012. En janvier dernier, lors du cocktail des bâtisseurs 2014, Cavalor recevait le prix Jean-Claude Milot pour sa contribution significative au développement du tourisme de notre région. Cavalor est devenu maintenant une activité estivale incontournable et accessible pour toute la famille, attirant plus de 3500 personnes par saison pour le tiers de la région immédiate de Drummondville et pour les deux tiers du reste du centre du Québec, de la Montérégie et de l'Estrie, contribuant ainsi de façon significative au tourisme de notre belle région. J'ai des chevaux depuis que j'ai terminé l'université, j'en ai encore aujourd'hui. Je fais encore l'équitation toutes les fins de semaine. L'hiver, c'est du ski jogging, la sleigh, chasse à cours, saut, spectacle, on fait de tout. Une variété de chevaux à l'écurie qui nous permet de pratiquer tous ces sports-là. Alors ici, je pense que ma mission, c'est d'amener Cavalor à un niveau où il va être plus autonome. Je pense déjà les résultats sont bons chaque année. On génère des surplus qu'on réinvestit facilement et un peu plus. ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que d'ici quelques années, Cavalor va sa réputation va s'agrandir et ce ne sera pas un problème d'augmenter le nombre de spectacles avec toutes les facilités qu'on est en train de mettre en place. Alors, je souhaite la meilleure des chances à Marise, son équipe, à tous les bénévoles qui sont là. Du 14 au 17 août, au cœur de l'été 2014, le spectateur est convié au déroulement des quatre saisons. Dans chacune des saisons, formée de plusieurs tableaux, le spectateur assistera au réveil de la nature à l'arrivée du printemps, suivi des grandes chaleurs de l'été qui, à leur tour, laisseront place à l'automne, annonçant déjà les fortes bourrasques de l'hiver. Ces images théâtrales des quatre saisons deviennent visibles et réelles grâce aux performances équestres dirigées de main de maître par Frédéric Foiret, aux lumineuses musiques de Marie-Philippe et de Jean-Pierre Bonin, à la présence théâtrale forte, percutante, significative, des 13 acteurs figurants et aux projections de David Gouin qui accentuent le sens donné à chaque saison.
Certains tableaux provoqueront sourire et rire. D'autres feront frissonner d'émotion. De nombreux accessoires, jardins fleuris, arbres aux feuilles rouges, fusils et autres objets, sortis des mains et de la tête de Pierre Tanguay, permettent de donner toute leur signification au mouvement des acteurs. Sous la lumière noire, black light, les costumes blancs de la maison, les costumes Sissi, amènent le spectateur dans un univers magique, poétique, irréel, mais visible à l'œil. L'été des quatre saisons, c'est aussi et surtout peut-être les quatre saisons de la vie, notre passage humain sur cette terre. La présence constante de la grand-mère et du vieil homme sur la piste nous rappelle que nous passons comme passent les saisons. Tout meurt, mais la présence du jeune garçon nous invite à croire que tout renaît. Je suis très, très heureuse, et toute notre équipe, d'être ici pour la troisième saison. Je me répète à chaque année, les chevaux, la musique, c'est mes plus grandes passions. Comme disait Monsieur le maire, c'est une passion, une folie, on ne le sait pas, mais c'est extraordinaire. À chaque année, cet instant-là, ce travail-là, illumine nos vies complètement. Et Cavalard, l'été des quatre saisons, représente 26 pièces de musique, ce qui représente, dans le temps que je faisais des albums, ça représente deux albums en l'espace de 6 mois. Donc, c'est un travail, on dort et on devrait pas. On dort peu, mais on devrait pas. Puis on a hâte de se réveiller le matin pour travailler sur ça. C'est extraordinaire. Cette composition-là, je la partage avec Jean-Pierre Bonnet. Allô? Mon complice depuis 42 ans. Hein? On a fait tous les albums ensemble. On a travaillé sur des albums pendant 17 ans. Et puis, finalement, même au tout début, on a commencé à travailler ensemble en théâtre, en musique de théâtre. Et c'est ce que j'ai préféré de toute ma vie, de tout ce que j'ai vécu d'expérience, c'est d'être liée à une création théâtrale. Parce que ça permet d'aller plus loin que de faire que des chansons. Ça rentre dans les univers, ça rentre en profondeur, ça va jusqu'à l'âme. En tant qu'artiste et chorégraphe équestre, j'œuvre dans le domaine du spectacle depuis de nombreuses années. Car pour moi, le cheval est un artiste né de par sa présence, son élégance et son expressivité. Ma recherche artistique va dans le sens de la place de l'artiste animal en scène, en créant les numéros pour lui, et non pas en cherchant à adapter l'animal au numéro. Toujours dans cette optique, je travaille à favoriser la relation entre l'homme et le cheval et à mettre en scène cette complicité et cet amour. Le spectacle est un art qui permet aux individus de se révéler, les artistes humains et les artistes animaux. Et Cavalard, c'est une scène vraiment parfaite pour ça. Cavalard, c'est aussi une équipe humaine et animale. Encadrée par des professionnels, les artistes équestres et les acteurs en herbe vont sublimer leur expressivité. Et il en est de même pour les animaux. Sur scène, par exemple, on peut voir un animal qui est un petit peu timide se redresser, devenir fier, un petit peu sous les applaudissements du public. Et de même, un humain très introverti va exprimer une puissance d'émotion incroyable. On l'a déjà vu dans les répétitions. Et soyez-en sûrs que quand les animaux, les artistes et les créateurs se dépassent, ils vous emportent dans leur univers fabuleux, l'univers des quatre saisons. Tu fais partie du spectacle? Oui. Ça fait combien d'années? 2 ans. Qu'est-ce que t'aimes? Ben, j'aime dans le spectacle, ma préférée partie, c'est quand que je fais de la voltige. Je trouve ça très hot, puis j'aime ça. Est-ce que ça t'impressionne de participer à un spectacle comme celui-ci? Oui, j'aime. Ça m'impressionne parce que il y a plein de gens, puis ça, des fois, je suis stressée, mais cette année, je suis moins stressée parce que c'est ma deuxième année que je fais ça. Fait que je suis moins stressée cette année. Puis qu'est-ce que tes amis te disent quand tu dis que tu participais à un spectacle de telle importance, de telle envergure? Ils sont surpris, puis
ils se demandent si eux aussi ils peuvent. Puis je dis oui, mais je me... Ça prend beaucoup de travail. Oui. Puis c'est ça. Et toi aussi, tu fais partie du spectacle? Oui, encore une fois. Ben pour le plaisir, puis pour l'amusement. Puis toi, tu possèdes un cheval? Oui, deux. Ben un, là, mais on a deux. Ça prend beaucoup de soins? Oui, beaucoup de soins. Qu'est-ce que tu fais dans le spectacle? la voltige, puis je suis figurante. Puis t'aimes ça beaucoup? Oui, beaucoup, beaucoup.